aujourd'hui les petits Carlaxiens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Je vous présente la piscine la moins chère du monde. Et oui, si, la piscine la moins chère du monde. Bonne vidéo. Au cœur d'Angoulême que j'ai élu domicile, et c'est au cœur d'Angoulême que je vous présente ma piscine. Alors, particularité de cette piscine, c'est que c'est de l'eau qui est tirée du puits. Voilà, tout simplement, et ça c'est quand même pas mal. Assez ancien, un puits qui est juste magnifique, auquel j'ai installé une pompe et ça m'a permis de remplir ma piscine. Ça me permet aussi d'arroser le potager à moindre frais et ça c'est quand même très sympa. Mais quand vous avez un puits chez vous, essayez de tirer l'eau du puits pour voir si vous pouvez remplir votre piscine avec. Parce que déjà l'eau est très très chère et là du coup elle est gratuite. Hein. Et puis c'est plutôt sympathique quoi. Regardez-moi cette magnifique piscine. On va aller voir si l'eau est bonne. On peut vraiment se faire plaisir avec des petites piscines autoportées comme ça. Ah, les frais mounoirs. Ah oui, Midiaou. Ouh là là là. Alors, je vais essayer de tourner un petit peu en rond comme ça pour bien que l'eau se mélange. Ah, ça fait du bien, c'est juste magnifique. On va essayer de rentrer le corps. Ouh, attention, on descend tout doucement. Avec le téléphone, 3, 2, 1. Ah, Victoirus! Oh, Victoirus! Ah, elle est fraîche. Ah bah oui, c'est l'eau du puits. Donc, quand je pense que j'ai une nappe phréatique et que j'ai de l'eau comme ça... Enfin, c'est un truc de fou, ça, non? Après, je sais pas si on peut la boire, mais je sais que dans le temps, le puits, il alimentait vraiment toutes les maisons qui sont aux alentours ici. Et c'est vraiment pour ça que je tenais à vous faire une vidéo, quoi. Ah, c'est génial. Bon, je vais essayer de m'asseoir. Vais-je y arriver? Tatam! Je sais pas si je bronze, là. Oh, je suis blanc, c'est incroyable. Je crois que je vais attraper des coups de soleil, je te dis pas. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je suis très blanc. Mais vraiment blanc. En gros, comme Norman fait des vidéos, tu vois. Je suis blanc, blanc, blanc. Donc effectivement, moi, je bronze pas, je rougis. Je pense que ce soir, je vais être bien rouge. Ça va être sympa. Bon, allez, je tente de rentrer le reste du corps. Si, si. Je vais maintenant rentrer le reste du corps. Ah, ah, ah. Yeah. J'y suis les abonnés. Waouh, on n'est pas bien là. Un maximum de likes, un maximum de likes. Je suis sorti de la piscine. Et du coup, si vous avez un puits, n'hésitez pas à faire la même chose chez vous. Et parce que tout simplement, l'eau est très très chère quand je vois les factures d'eau qu'on paye. Et là, c'est l'eau du puits, donc vraiment, ça vaut le coup d'en profiter. Après, je suis conscient que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un puits. Ça, j'en ai tout à fait conscience. Mais quand vous en avez un, n'hésitez pas à l'exploiter. Une pompe, ça ne coûte pas très très cher. Je crois que la pompe, là, je l'ai payée moins de 100 euros chez Castorama. C'est pas un placement de produit, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pour vous donner un exemple. Mais il doit y avoir la même chose chez Leroy Merlin, Brico Dépôt ou tout ce que vous voulez. Et puis surtout, ça permet de remplir sa piscine gratos, quoi. Voilà. Après, j'irai acheter des petits galets de chlore pour faire l'entretien. Mais ça, je pense que vous suivrez ça tout l'été. Voilà les petits Carlaxiens, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Sachant que même maintenant qu'on a une piscine, on va pouvoir faire plein de bêtises. Hein? Elle répond pas. J'ai une personne à côté de moi, vous avez pas vu des pieds tout à l'heure? Marquez-moi dans les commentaires si vous savez qui est la personne qui est à côté de moi. Un maximum de likes! Allez, je vous embrasse très fort les petits Carlaxiens. Ciao, ciao.